Ok, mais est-ce que la question, c'est est-ce qu'il mérite la prime de Barbe Noire Yonko, niveau 6 d'Impel Down en termes de recrutement de commandants, son équipage, deux fruits, nouveau Yonko, hein, territoire de Barbe Blanche, est-ce qu'il mérite cette prime? C'est donc un plaisir de le voir monter autant dans le classement des primes. Ok, c'est un plaisir, il le mérite ou pas? Sachant que sa prime lors de l'accident d'Alabasta... Dis-le! ...a seulement 81 millions de berry. Dis-le! Après la mise à jour de sa prime, a rétabli l'ordre. Et voilà, et voilà, et voilà. C'était Ryu Sensei. C'était un plaisir. Donc, en sixième, le génie du crime, Sir Crocodile. Maintenant... Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Il ne pouvait pas en être autrement. C'était inévitable. C'est comme ça, les mecs. C'était sûr. Au bout d'un moment, tu connais le cheminement. Tu sais très bien. On arrive à la position de cinquième avec trois pirates qui sont ex aequo. Et je parle bien... Et j'ai même envie d'aller, d'aller au-delà. J'ai même envie de dire qu'il a fait la vidéo que pour Mihawk. J'ai même envie de le dire. Sur du trio des supernovas. C'est formidable. Et on fait tomber les deux empereurs. Ça va, mon HD est toujours aussi efficace. À Onigashima. Avec Monkey D. Luffy, Trafalgar Law et Eustace Kidd. Alors, bien sûr, tous ont été nécessaires à la victoire sur Onigashima. Et chacun a été incroyable. Cependant, tous d'accord pour dire que Luffy est celui qui a le plus montré sa puissance et qui a fait le plus gros travail sur Onigashima. Il a quand même battu Kaido seul. Alors que Kid et Law s'y sont mis à deux pour battre Big Mom. Ce qui est incroyable, mais moins que ce que Luffy a fait. Mmh. Sans même compter le fait que Luffy a, où veux-tu en venir ? A été nommé Empereur des Mers. Et par conséquent, sa prime aurait dû se trouver au-dessus de celle des deux autres. Mais comme on l'a dit, c'est la perception du gouvernement qui compte. Et ils ont décidé d'interpréter l'événement comme la victoire des trois capitaines Supernova sur les deux empereurs. Et ont attribué à chacun... un tiers des primes cumulées de Kaido. Non, ça c'est une théorie, une hypothèse, une idée, c'est pas la réalité. Et Big Mom? C'est pas parce que ça peut coller en termes de chiffres que c'est une réalité. C'est toujours à l'heure actuelle une théorie, une hypothèse. C'est pas la réalité de dire qu'ils ont divisé la prime en 3. Ça c'est faux. Faisant 3 milliards par capitaine. Mais bon, je suis sûr que Luffy aura plein d'occasions de faire grimper sa prime. Donc, Kid et Law, mérité ou pas en termes de puissance, dis-nous tout. Quand il sera devenu le roi des pirates, il prendra sans l'ombre d'un doute la place incontestée de numéro 1 de ce classement. Prime méritée ou pas pour Kid et Law, prime 3 milliards, prime de Yonko niveau Yonko, mérité ou pas? On est donc pressé de voir ce jour arriver. Place maintenant à la... Il va pas le dire, hein. Au début de la vidéo, il a pas dit que il allait dire... si c'était bien ou pas, enfin si c'était, comment dirais-je, mérité ou pas. Quatrième position, avec encore un empereur, celui qui est une légende vivante dans le monde de One Piece, ancien moussaillon de l'équipage de Roger, mastermind derrière les accidents d'Impel Down et de Marineford aux côtés de Luffy, ancien corsaire, chef factice de la Cross Guild, et quelqu'un qui, selon Branew, est un rival mais aussi un frère pour l'empereur Shanks, celui au palmarès légendaire, Baggy le Clown. Je suis éclaté. Kid, qui a le haki des rats, ne mérite pas 3 milliards. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pour ça que les promides, quand ils te parlent de la prime de 3 milliards et demi, tu dis Kid et Law, bah ça bégaye. Oui, mais ils ont divisé par 3. Non, mais c'est pas ça. Ta théorie, on s'en tape. On s'en fout. Est-ce que ils ont le niveau Yonko, oui ou non? Non, bah voilà. Donc c'est pas une preuve que Mihawk a le niveau Yonko. Ça s'arrête là. Y a pas de discussion à avoir. Évidemment. L'auteur a porté le gag de Baggy jusqu'au bout, allant jusqu'à lui donner le titre d'empereur et en lui attribuant la folle prime de 3,189 milliards de berry. Incroyable, ce Baggy, c'est une légende. Il a réussi à frauder tout le système jusqu'à devenir empereur et obtenir la quatrième plus grande prime active connue à ce jour. Donc, on attend de voir les prochains accomplissements de l'empereur clown et de voir jusqu'où il grimpera l'échelle de la frauderie. Et maintenant... Mais donc du coup... Bon, ben, il dit pas si c'est mérité ou pas. Il a dit pour King, pour Zoro, il a dit non, Zoro, 1,5 milliard minimum et tout. Je sais pas, là, c'est bizarre. Parce qu'il y a la Cross Guild, il veut pas en parler. Kid et Law, il a pas voulu en parler, c'est bizarre. Je comprends pas. Maintenant, on entre officiellement dans le top 3 des plus grandes primes actuelles, en commençant par l'épéiste le plus fort du monde. Ah, nous y sommes. Les gars, on y est. Enfin, la vidéo a été écrite, tournée, montée et mise en ligne dans ce but. Profitez du spectacle, je me tais. Seul porteur actuel de l'âme noire, Dracul Mihawk, alias Œil de Faucon, autrefois aussi connu sous le surnom du chasseur de marine, à la troisième place. Un personnage qui ne se présente plus, grand rival de l'empereur Shanks, de tous les épéistes du monde, il est le plus fort,
Il est aussi... De tous les... Pardon. De tous les épéistes du monde, il est le plus fort. Alors, on va faire un petit jeu. Trouvons, vous connaissez le jeu Trouver Charlie. J'ai un nouveau jeu à vous proposer. Trouver les épéistes. Alors, nous avons Vista, nous avons Tashigi, nous avons Myok. Et pour Zoro, c'est compliqué parce qu'il vient d'évoluer, donc on ne sait pas si le titre de Myok le met toujours au-dessus de lui. C'est compliqué. Donc son titre le met juste au-dessus de Vista et encore, il ne l'a jamais combattu. Et quand il le combat, il reporte le combat. C'est compliqué, hein, c'est ballot. Si le but à atteindre 2 euros, et il est surtout extrêmement puissant. Avec une prime qui surpasse celle de 2 empereurs, dont l'un est le présumé chef de la Cross Guild à laquelle lui-même appartient, Myok vient s'afficher avec les plus grands grâce à sa prime de 3,59 milliards de berry. Aux côtés, bien évidemment, du terrible Kid et du terrible Law, qui ont individuellement... Le niveau Yonko, c'est bien connu, mais il n'a pas trop voulu en parler. Une prime qui, comme Branyu l'a dit, est adéquate pour celui qui est le plus fort épéiste du monde. Et la prime de Crocodile est adéquate pour quelqu'un qui a autant de charisme. Ce qui veut aussi dire qu'il faut se préparer à une prime au minimum égale pour Zoro en fin de série. Ce qui va être incroyable. Une vidéo sur le sujet est d'ailleurs en préparation pour vous. Alors, en deuxième position maintenant, vient l'Empereur des Ténèbres, qui sera l'un des plus grands antagonistes finaux de l'œuvre, Barbe Noire. Lentement mais sûrement, il a préparé son ascension vers le sommet dans l'ombre. C'est tout. Ah, je suis déçu. Je croyais qu'il allait dire « Ouais, il est trop fort et tout. Meilleur épéiste au monde. » Bon, en vrai, il n'y a rien à dire. Hein. Meilleur épéiste au monde, il a battu qui? Personne. Il y a qui comme épéiste? Personne. En vrai, maintenant que j'y pense, le titre de Myok le met juste au-dessus des vice amiraux. Hein. C'est ça le titre de meilleur épéiste au monde. Attendez, je m'explique. Il a jamais croisé Vista. Et Vista s'en tape du titre. Vista s'en fout du titre. Mais à tous les coups, les vice-amiraux aussi s'en foutent du titre. Mais qui veut ce titre, bordel? Attends, mais c'est pas possible. Mais qui veut le titre à part Zoro pour Kuina? Mais je comprends pourquoi Zoro l'a dit roi des enfers. Parce que c'est pour Kuina, meilleur épéiste au monde. Il a dit maintenant je suis un homme, roi des enfers. Et je viens de comprendre en fait, hein. Tout était sous nos yeux. Roi. Des enfers, c'est un truc de bonhomme, c'est un truc d'homme, c'est un truc de patron. Meilleur épéiste au monde, c'est pour Kuina. Le pauvre Zoro, il avait 8 ans. Mais personne veut le titre. Genre Momonga, il a déjà dit, je vais être le meilleur épéiste au monde. Personne l'a déjà dit. C'est un truc de fou furieux. Bon, allez, c'est pas grave, passons. Il a hésité à trahir son propre père et ses amis pour obtenir ce qu'il voulait. Il a recruté les pires criminels d'Impel Down et en a fait des membres de son équipage. Donc ça ne met pas au-dessus? Ben non, non. C'est compliqué cette histoire en fait. C'est compliqué, je comprends rien. Le titre de Mid, ouais, je sais pas, il met à peine au-dessus des vis et de Vista, quoi, à la limite. Il peut le mettre un peu au-dessus, c'est tout. Alors là, je suis perdu, moi. Je comprends pourquoi ils parlent de Shanks, en fait, les promides. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont parler de qui, Momonga? Strawberry? Ils n'ont pas le choix. Donc ils sont obligés de continuer dans leur clownerie. De dire que Shanks est épéiste comme Yo, qu'ils sont obligés, ils ont pas le choix. Ils ont rien à manger. Ils ont que de la terre, donc ils mangent la terre qu'il y a par terre. Ils ont pas le choix. Ils sont obligés, tu retires Shanks, ils vont dire quoi? Il est plus fort que qui? Que Zoro, il vient d'évoluer. Zoro, tu sais pas qui est le plus fort. Il n'y a rien à manger. À Marineford. Ouais, je pense Dragon Top 0 en fait. Donc du coup, à la fin, il voulait faire une théorie. Ouais. Il s'est approprié le fruit de Barbe Blanche après l'avoir tué. Il a été le premier humain connu à avoir réussi à manger plusieurs fruits du démon. Après ça, il a écrasé l'équipage de Barbe Blanche lors de la guerre des représailles et a pris le contrôle sur des territoires leur appartenant. Pour ensuite s'installer sur l'île de la Ruche, île des pirates, pour en faire son fief. C'est 2 ans suivant la guerre de Marineford qu'il a été nommé... Oh, le flot avec les tatouages! Wow! Donc, pour l'Empereur des Ténèbres et un des personnages les plus mystérieux de One Piece, à la deuxième place, on a une prime de 3,996 milliards de berry. Et maintenant, on arrive enfin à la place du numéro 1. Celui... Et voilà, le numéro 1, le Big Boss, le patron. Regardez, hein, là, c'est le moment clownerie. L'homme qui est plus faible que Myok. Que vous attendiez sûrement tous. Il y a des gens qui le voient et disent lui il est plus faible que Myok. La honte les mecs, la honte. Celui qui a inspiré Luffy à vouloir devenir pirate. Ouais, celui qui a stoppé la guerre de Marineford et a fait fuir l'amiral Ryokugyu à Wano. Oui. L'énigmatique capitaine des pirates. Ça me termine. Écoutez. Écoutez comment elle le présente. Tout à l'heure Myok c'était quoi? C'était Myok. L'homme qui a une épée noire. L'homme qui a un titre qu'il met à peine au-dessus de Vista. L'homme qui... C'est tout. Voilà, épée noire, il a un titre. Regardez-lui, hein. Regardez la différence. Hein.
celui qui a inspiré Luffy à vouloir devenir pirate, celui qui a stoppé la guerre de Marineford et a fait fuir l'amiral Ryokugyo tout Marineford, l'énigmatique capitaine des pirates du Roux. Capitaine de l'équipage du Roux, masterclass. Et encore, il aurait pu dire à Aramaki et tout, mais bon, c'est pas grave. Il est le rival du plus fort épéiste du monde, c'est un empereur. Il a dit Ryokugyo ? Ah, j'ai pas entendu. Il l'a dit ? Et a fait fuir l'amiral Ryokugyo. Ah oui, autant pour moi, autant pour moi. Ah ouais, non. L'énigmatique. Enfin, du coup, il manque. Qu'est-ce qui manque en... Ah, bah, Kidelo, mais je pense que la vidéo est sortie un petit peu avant. Donc, non, c'est bon, c'est bon. Il a été honnête. Et malheureusement, ça ridiculise un petit peu l'horrible mid. Hein. Rien que Rukugyo, c'est terminé. Petit capitaine des pirates du Roux, Shanks le Roux. Il est le rival du plus fort épéiste du monde. C'est un empereur depuis 6 ans. Il a des relations mystérieuses avec le Gorosei. Il a réussi à rassembler l'équipage le plus équilibré avec la plus grande prime moyenne. Et surtout, en plus de tout ça, il est incroyablement puissant et a sûrement le haki des rois le plus puissant actuellement. Mais bien évidemment, il est plus faible que Mid. Alors c'est on ne peut plus normal. Dis-le. Qu'il soit numéro 1. Assume. Avec une prime de 4. Assume tes propos, mec. Dis qu'il est plus faible que Mid. Allez, un petit effort, dis-le. 0,489 milliards de berry. Dis-le, mec, c'est le moment. De lui, la seule prime active connue est au-dessus de 4 milliards. Donc, à la place de numéro 1... L'incroyable empereur charismatique parle Shanks le Roux. Alors, normalement, la vidéo devait porter nah, sur... Ah, il n'a pas voulu parler. Bien évidemment, après une telle présentation de Shanks, comment veux-tu glisser, hein? Le mec est plus faible que Mid. Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Sur les primes connues, okay. Mais j'ai tenu à mettre une dernière personne en tant que numéro 0. Et c'est bien sûr Monkey D. Dragon, le chef des révolutionnaires. Il est l'homme le plus recherché actuellement, donc il est logiquement la plus grande prime active. Mais comme elle ne nous a pas encore été révélée et que cette vidéo porte sur les primes connues, je ne pouvais pas... Calme Ryo, non, je ne peux pas me calmer. Il devait aller au bout des choses, il faut toujours savoir aller au bout des choses. Tu présentes Shanks comme ça, tu sais que c'est le big boss. Tu penses que mieux qu'est plus fort, dis-le. Dis-le pour que tout le monde puisse rire. L'inclure complètement, hélas. Mais on attend la révélation de sa prime. Mais non, on perd un bon moment de rigolade à cause de lui. Avec impatience. Oh. D'ailleurs, j'approfondirai les choses à son sujet sur une vidéo sur les primes importantes qui ne nous ont pas encore été révélées. Donc, soyez prêts pour ça. Évidemment, ce classement, c'est le classement actuel. Mais beaucoup de choses vont changer. On ne connaît pas encore les primes de l'équipage de Barbe Noire. Donc, ni de Shiryu, ni d'Aokiji qui semblent les avoir rejoints. On ne connaît pas non plus celle de Ben Beckman qui semble être le plus fort commandant présent. Donc, si beaucoup de nouvelles... Ben Beckman qui semble être le plus fort. ...sont données et que l'ordre est vraiment bouleversé, on mettra à jour cette vidéo. Le big boss qui n'est pas le big boss. Shanks, le terrible épéiste qui est comparé à Zoro de Dressrosa. Très grand épéiste, hein, Shanks. Hein. Oh, déjà, ça m'étonne qu'il, qu'il ne soit pas meilleur épéiste au monde. Hein. Il est comparé à Zoro de Dressrosa. Est-ce que certaines primes sont trop basses? Est-ce que des primes sont trop basses? Si vous le pouviez, quelles primes? Pourquoi tu dis pas... Alors, est-ce que vous auriez... Va-t-il dire... Est-ce que certaines sont trop hautes pour qu'on puisse rire de l'horrible mid? Aussi, allez, donnez vos prévisions pour dis-le. Les primes de Beckman, parle. Shiryu, Aokiji et Dragon en commentaire. Parle, il veut pas le dire, hein. Est-ce que certaines sont trop hautes? Il veut pas le dire. Ça pourrait être intéressant. Allez. Du coup... il veut pas le dire. Parce que sinon, on aurait chié sur l'horrible mid. Certaines sont trop basses. Bon, peut-être. Certaines sont trop hautes. Ah oui, certainement. Il y a une différence, hein. Il y a une petite nuance. Il y en a un, c'est peut-être. Lui, c'est certainement. C'est avec certitude que je vous l'affirme.